tu rentres, Troy. Il faut que tu rentres maintenant. L'équipage du vol 108 rappelle à son commandant de bord qu'on commence à se léger sévère. Un Giant avec la sauce bien onctueuse. Il n'a jamais su résister à l'appel d'un Giant. Les éditions Atlas présentent Hitchcock dans une collection de chefs-d'œuvre effrayants. Psycho, sueur froide, frenzy. Cette semaine, le numéro 1, La mort aux trousses, le film et son livret 69 francs. Plus, en cadeau, les 39 marches. Une édition Atlas. Voyager avec la carte Visa Premier, c'est bénéficier d'une assistance 24 heures sur 24. Régler facilement ses dépenses. Et téléphoner en toute liberté dans le monde entier. Visa Premier, soyez premier partout. La vie déborde de grands moments d'émotion qu'il faut savoir saisir. Les mercredis de la vie avec Candia Granlet. Regarde Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bonsoir jeunesse dorée, bienvenue à les films qui sortent le lendemain dans les salles de cinéma et salut à tous mes amis kabyles, à Zulfelawin Aïmazirhen. En préambule, permettez-moi de remercier publiquement Jacques Schultes, notre réalisateur et son équipe, Jean-Marc le caméraman, Sophie la script, Jean-Louis l'ingénieur du son, l'ingé son, comme l'on dit dans le jargon de notre métier, Francine, notre productrice, Hervé, le directeur photo, le dirpot, comme l'on dit, qui nous fait tellement rire avec ses pitreries incessantes. Je vais en oublier certains et je ne vais pas me faire que des amis. Mais bon, je tiens à remercier haut et fort toute cette sympathique équipe qui travaille dans l'ombre et sans qui cette émission n'existerait pas. Ce ne serait même pas la peine d'y penser. Voilà. Ceci étant dit, parlons maintenant un peu cinéma, si vous le voulez, car tout d'abord, cette semaine sort Donnie Brasco de Mike Newell avec Al Pacino et Johnny Depp. Si j'en crois les on-dit, Donnie Brasco serait une histoire de taupe qui s'infiltrerait dans la mafia pour mieux pouvoir la noyauter de l'intérieur. Quoi qu'il en soit, en voyant ces extraits que les producteurs ont donnés à toutes les chaînes de télévision, j'ai retrouvé avec délice un peu du charme désuet de ce New York italien de mon enfance. Okay, when I introduce you, I'm gonna say this is a friend of mine. That means you're a connected guy. Now, if I said instead this is a friend of ours, that would mean you were a made guy. A capiche? Yeah, friend of mine, friend of ours. Yeah. What do I call you, friend of ours? Or... Keep your fucking mouth shut about me. Don't say it. Hey, Don. Hey. You got a couple of fazoles. I got some things I gotta take. Yeah. What do you want, 100? Yeah, what are you doing? Wise guy don't carry his money in a wallet. Hey, wise guy carries money in a roll, like this. Hey, Vina on the outside. Like that, come on. That mustache. You gotta get rid of that mustache, because that's against the rules. And get a pair of pants, will you? This ain't a fucking rodeo. Dress like I dress. Dans un tout autre registre, nettement plus français, vous pourrez voir cette semaine « Nous sommes tous encore ici » de Anne-Marie Miéville avec Aurore Clément, Bernadette Lafont et Jean-Luc Godard en tant que comédien.
Je tiens publiquement à remercier Anne-Marie Miéville, puisque le dossier de presse de son film, ce n'est ni plus ni moins que les dialogues du film en entier. C'est une très bonne idée, très méritoire, mais qui risque peut-être de tuer le suspense, puisqu'on peut savoir comment le film se termine avant de l'avoir vu, et c'est dommage. Je me dis qu'il y a danger. Quoi qu'il en soit, en lisant le scénario, j'ai retrouvé avec bonheur un peu de ce charme clair-obscur du Paris des années 60 de mon enfance. Et j'aimerais vous le faire partager. Le sentiment de liberté que tu décris, c'est très relatif. On est au milieu du monde. On ne peut pas l'ignorer. Il doit bien y avoir des moments où on oublie le monde. On se sent une partie du monde qui a le droit d'exister sans toujours cette pression. Bon, je sais pas. Des fois, je me sens... J'aimerais faire comme Carrington. Quoi comme Carrington? Le fusil? Bah oui, le fusil. Bah j'en ai pas. J'en ai pas de fusil. Eh bien, tu peux te mettre dans une société de chasse ou une société de tir. T'es sympa, je te remercie. Écoute, si tu me dis que tu veux, je sais pas, moi, je cherche à t'aider. Oui, oui, tu veux sûrement m'aider. Disons que tu es maladroit, alors. Tu es très exigeante. C'est la moindre des choses. Sauf que j'arrive rarement à la hauteur de mes exigences. Tu y arrives plutôt bien. C'est ton pessimisme naturel qui te fait parler comme ça. Après l'Amérique et la France, c'est l'Irlande qui est à l'honneur, puisque vous pourrez voir aussi cette semaine Le secret de Ron Heinisch, de John Sayles, qui m'a l'air très bien. En voyant quelques images, j'ai revu défiler dans ma tête l'ambiance de l'Irlande de mon enfance. Revoir tous ces jeunes Irlandais qui gambattent sur la lande avec des phoques, je me suis dit que c'est très attachant et inoubliable. J'aimerais vous montrer un extrait d'un film inédit en France de Douglas Sirk, Demain est un autre jour, There's Always Tomorrow, avec Barbara Stanwyck et Fred McMurray. Ce film sort dans le cadre d'une rétrospective Douglas Sirk et ne risque pas d'être distribué comme des petits pains. Mais sachez-le, c'est un mélodrame poignant et en voyant l'extrait que nous allons voir, plein de souvenirs des studios hollywoodiens de mon enfance se remontaient dans ma tête. Do you remember that place overlooking the ocean where we celebrated after I sold my first contract? We're going to drive down there right now. We'll sit in front of the fireplace and watch the storm on the ocean. Cliff, I'm trying to tell you something. I'm sorry. What is it? I'm flying to New York tonight on the 6 o'clock plane. Why? Norma, nothing makes any difference. Listen to me, Cliff. Listen to me carefully. 20 years ago, I left here because I was in love with you. Yes. Yes, Norma Miller, the little girl who couldn't face reality. Well, today Norma Viel is leaving because she can face reality. There's only one reality. No, no. The only reality is 20 years of Clifford Groves as a husband and as a father. 20 years of my being a career woman with an eye to design and merchandising. Norma, I love you. No, no. No, you don't love me. Voilà. Les films qui sortent le lendemain dans les salles de cinéma touchent à sa fin. C'était une édition un peu nostalgique, placée sous le signe du vague à l'âme. Aussi, avant de rentrer chez moi, démaquillée et loin des spotlights, quand je retrouverai la routine de ma vie quotidienne, car notre vie à nous autres artistes n'est pas toujours aussi facile qu'on le croit. Avant ça donc, j'aimerais encore vous signaler quand même les sorties de Un amour de sorcière, de René Manzor avec Jeanne Moreau, Vanessa Paradis, Jean Reno et Gilles Bellows,
et de Chamanka de Andrei Zulavski avec Iwona Petri et Boguslav Linda. Voilà, je vous dis goodbye, auf Wiedersehen, bisalama, adios amigos, salut les amanches, à la revoyure la semaine prochaine. Je vous souhaite une semaine ni plus tranquille, qui mieux que nous. Et d'ici là, n'oubliez pas. Prenons par exemple la question importante des rapports de l'homme et de la nature, ou même, comme Bruno nous le dit à la page 110, les contradictions dans la nature et dans l'histoire. Comme si l'homme ne se trouvait pas toujours en face d'une nature qui est historique et d'une histoire qui est naturelle. Bonsoir. N'est-il pas vrai que tous ceux qui l'ont vu un jour ont rencontré ou reconnu en lui, je pense, un de leurs démons ? Cérémonie secrète dans Berlin, autour de l'œuvre d'un étrange écrivain dont l'ombre plane sur la vie de tous ceux qui l'ont lu. Au bord d'un lent fleuve noir d'Anne-Sylvie Sazman, c'est le premier roman choisi pour vous par France 2 aujourd'hui. Les desserts. Les sens s'éveillent, fondant lisse, arôme intense, et déjà toutes les saveurs, tous les bonheurs d'un grand chocolat. Nestlé, c'est fort en chocolat. Coquille Saint-Jacques à la bretonne, Tipiac. Ils ont pris notre recette. Pirate. Tipiac, tout est dans la recette. De ces poissons fraîchement pêchés, Iglo ne sélectionne que les meilleurs filets. Ainsi, quand ils arrivent sur votre table, les poissons panés Iglo possèdent encore toutes leurs saveurs d'origine. Les poissons panés Iglo. Iglo, tout pour le goût. Mon chat adore se régaler, de préférence tous les jours. Alors avec les festins du jour de chez Ba, pourquoi ne pas lui donner le meilleur tous les jours ? Dans le nouveau catalogue La Paire, il y a tous les styles de cuisine. Ça, c'est le nouveau filtre Grand Arôme de Melita. Ils ont eu une idée géniale, je vous montre. Ils ont fait des trous dedans. Parce que les trous, c'est la libération de tout l'arôme du café. Et moi, il vaut mieux me donner tout l'arôme. Filtre Grand Arôme de Melita, des petits trous pour un grand goût. Salut. Génial l'idée d'un rouge à lèvres qui résiste au baiser. Voici Rouge Non-Stop de Jomet, vraiment nouveau. Enfin, rouge à lèvres qui tient des heures, ne laisse pas de traces, et vraiment confortable. Très confortable. Et aucune trace. Alors, votre ancien rouge, bye bye. Nouveau Rouge Non-Stop, une innovation signée Jomet. Nouveau crayon Non-Stop, le premier crayon à lèvres sans trace, une création signée Jomet. Bon anniversaire, mon ange. Oh non, t'es fou. Qu'est-ce que c'est ? Devine. Un diamant. Perdu. Il y a plusieurs façons de faire plaisir. Citroën, pour le premier anniversaire Saxo, vous offre 10 000 francs d'économie. Comment ? Vous prenez encore rendez-vous pour donner votre voiture à réviser ? Et vous savez toujours pas combien ça va vous coûter, mais j'en rêve. Le forfait révision Midas, c'est 100 rendez-vous et c'est 595 francs. C'est sans souci, c'est Midas. Imaginez que vous êtes en voyage. C'est un grand voyage. Et la façon de voyager, est-ce important pour vous ? Bien sûr, c'est important. Vous découvrez le plaisir du voyage pour le voyage. Vous êtes sur Singapore Airlines. Moi, ça fait monsieur, deux ans. Monsieur, moi aussi, j'aimerais bien en avoir. Ça fait 15-16 ans, moi. Ah non, c'est 19. Non, non, moi, je ne vous le dirai pas, il n'en est pas question. Moi, j'ai besoin d'une aide pour de près depuis 7-8 ans. C'est pas marrant, mais ça arrive à tout le monde, passer la quarantaine, oui. On passe sa vie à chercher ses lunettes. On les a jamais où il faut, quand il faut. On les trouve jamais. Moi, j'ai passé ma vie à les chercher, oui. J'en ai au bureau, à la maison, dans ma sacoche. Mon problème, j'ai pu le résoudre. Et je me suis dit, mais comment font les gens ? Enfin, je savais qu'on les faisait. Ils ne faisaient rien. De là, une idée du coffret. La Fortida Flelou.
quatre lunettes identiques, même puissance bien évidemment, quatre couleurs différentes, avec un étui. La bourdine, 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 la bourdine,